Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour cette troisième partie, toujours sur le dixième épisode du Volgul Coup de cœur sur Insanely Twist Shadow Planet. Ça y est, j'arrive à le dire. Eh oui, non, parce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai envie de dire Insanely Twisted Shadow. Ça finit par EED, mais c'est Twist. On dit Twist, eh oui. On doit quand même garder le l'accent anglais quand même. Donc on va pas faire on va pas faire méchant. Donc vous voyez, comme je disais à l'épisode, à la partie précédente, même si on peut dire épisode, on est dans le niveau de l'eau, qui est pas mal fait, hein, pour un niveau de l'eau. J'aime bien cet effet de caméra qui, hop, quand on passe sous l'eau, hop, ça repasse en dessous. C'est pas mal. Donc là, j'ai pris le checkpoint au cas où il y a des problèmes. Donc là, vous voyez, il y a de l'eau qui coule. Donc là, en fait, il faut que je passe au niveau de la scie. Et il faut que je... En fait, ce que je fasse... Voilà, il faut que je me mette ici. Généralement, c'est ou un checkpoint ou la suite ou un niveau ou un truc spécial. Donc là, c'est pour remonter. Je vais regarder ce qui apparaît ici. Voilà, donc là pour passer, hein, vous savez, l'eau vous repousse, mais vous pouvez y aller sans problème. Ok, ici y a rien. Ou alors, faut peut-être découper. Bon, on peut pas découper. La seule chose qu'on peut faire à découper, c'est ça. Ah, encore un artefact. Ah, c'était le dernier. Là, comme on vient de le voir, il y a des grands machins sur... Un peu comme, comme dans Star Wars, on a les chiens. Moi, je les appelle les toutous. Je sais que c'est pas les toutous, je connais pas très bien leur nom. C'est pas que je suis pas un fan de, de Star Wars. C'est que, voilà, je suis pas à fond sur certains... sur les trucs, donc... sur tous les trucs, donc c'est... peu plus difficile pour moi, donc on dirait ouais, les gros toutous dans sur la bataille de Hoth, comme on dit. Donc là je vais aller un peu partout, un peu visiter tout le coin. Ça on va peut-être pas visiter toute la carte, hein. Je vous laisse encore des surprises, surtout sur ceux qui, pour ceux qui veulent peut-être un jour tester le jeu. Alors par contre, le si un jour vous voulez faire le truc coop, faut trouver des gens. Parce que voilà, il n'y a plus personne qui fait le coop. La version coop du. Donc là, vous voyez, c'est des méduses. Hein. C'est des. Oui, c'est pas des méduses, c'est des. C'est des minces, comment ça s'appelle déjà? Mince, j'ai plus le nom. Et voilà, quand vous leur tirez dessus, elles crachent de l'encre. Alors que c'est les. C'est censé être. Les... Ah si, c'est des méduses, oui, si, c'est des méduses. Oui, c'est des méduses, mais d'habitude c'est les, comment dire, les poulpes, les sèches qui, ou les sèches, je sais plus, qui crachent de l'encre. Hein. C'est les méduses, je crois pas qu'elles crachent de l'encre, elles mettent des chocs électriques. Hein. Ceux qui vivent près de la mer, hein, ils connaissent. Donc là, ça c'est les courants d'eau. Donc si on suit les courants d'eau, ça nous amène dans des endroits ou sympathiques ou pas sympathiques. Là, on va essayer d'avancer. Donc là, on est toujours sous l'eau. Donc, le, comment dire, le bruit des sons est beaucoup plus... Donc là, c'est un tuyau qui est censé nous recracher ici, je crois. Parce que vous avez des passages spéciaux. Voilà. Un peu de vie. On récupère, on se met full vie. Donc là, par contre, c'est pas pareil ici, apparemment. Prendre le courant pour nous renvoyer loin d'ici. Alors par contre c'est par où? Ok, c'est par au-dessus. Donc vous voyez, hein, le tuyau où je suis allé, ça permet d'envoyer, ça permet de sortir de là-bas en bas, parce qu'en fait il est recraché, hein. Il n'aspirait pas à y recracher. Donc là je pense que sinon c'est un peu plus haut pour passer. C'est par où? Je vais être juste après. Ça doit être ici, un checkpoint, donc ça veut bien dire que c'est ici. Ok,
Ah oui, là c'est la zone où il y a des courants. Faut faire attention. Ok. Oh, là il faut faire attention, c'est des pics, hein. Donc il faut se guider, on peut se guider, hein. On peut se ralentir un petit peu. Ah, tiens, il y a un pouvoir pour mon... Comment dire? Très bien. Ça, on peut la... on peut empêcher qu'il nous empêche de passer. Ah oui, ça, non, oui. Il faut prendre des petites bulles, les mettre sous la grosse méduse gentille. Ah, parce qu'elle est gentille, en fait, elle attaque pas. Voilà, elle est poussée là. Et là, je me permets d'aller chercher ça. Donc là, ben, comme la suite, hein, il faut retrouver trois de ces morceaux. On peut éclater les bulles avec ça. Oui, on peut éclater les bulles avec ça. Le jeu est bien fait, ne hein, vous inquiétez pas. Il y a quand même des bugs, mais voilà. Donc là, on peut se ralentir, on peut pas retourner. Je crois que là, on revient au début. Et il faut passer par où? Ok, il va falloir tourner à droite très bientôt. Généralement, qui dit tourner à droite dit se coller contre le mur. Non, on peut pas. Ah, c'est peut-être pas ici qu'on va tourner à droite. C'est peut-être ici, un peu plus bas. Voilà, c'est ici. Voilà, ici. Est-ce qu'on peut venir ici? Ok, ici ça nous aspire. Et je pense que la suite est par ici. Je pense parce qu'il y a de quoi détruire ici. Et ça sent le truc qui va nous renvoyer en arrière. C'est bien ce que je pensais. Et après, je pense qu'il fallait aller par en bas. Ok, j'ai pris les pics, c'est pas grave. Donc là, on va devoir descendre. Je pense que c'est en bas. Oh, attention, oh, attention, oh, attention. Je crois qu'il y a un petit passage au-dessus. Mais on verra ça après. Ah, tiens, il y a un nouveau pouvoir du truc. Là, je sens qu'on fait, on va faire le tour. On récupère de la vie, on essaye de ne pas se faire toucher. Là, il fallait tourner à droite. Ici, ça nous ramène en arrière. Donc là, on resuit sans se faire toucher, s'il vous plaît. Donc là, on refait tout le tour. Non, là, on revient ici. On descend par là. Accroche-toi. Accroche-toi, mon ami. Voilà, nickel, on récupère un peu de vie, on réfléchit où c'est qu'on est. Donc là, il y a en bas, il y a le pouvoir, on va essayer de le récupérer. Non, mince. Ah non. Non, je me suis laissé avoir. Je me suis laissé avoir, donc on va refaire demi-tour. Ah, vous voyez, c'est jamais rigolo, ces passages ici. Heureusement, il y a les petites antennes qui nous permettent de nous accrocher pour faire demi-tour. Ok. Si je récupère pas de la vie, ça va être dangereux. Donc là, il faut que j'aille par où? Par en bas. J'arrive à m'accrocher sur le truc dès que je peux. Non, c'était pas sur celui-là qu'il fallait s'accrocher. Apparemment, c'est pas sur celui-là qu'il faut passer. J'ai l'impression que c'est ici en haut, là au milieu. On passe ici, on arrive en dessous et on arrive ici. Après, ici ça nous rejette parce que j'ai l'impression que c'est un truc pour c'est un passage qui rejette ici et pas qui aspire. Ok, on récupère un peu de vie. On va essayer de pas se faire avoir. Je pense que c'est par ici qu'il faut aller après. Ouais, je pense qu'il y avait que par ici. Par contre, un petit checkpoint. Ouais, un petit checkpoint. Ok, on a plein de. Donc ça c'est les petits têtards. Tétard méchant. Voilà, ils nous foncent dessus dès qu'ils nous voient. Donc des fois on croit qu'il y a des trucs cachés là, pas du tout. C'est juste du décor, on va se cacher dans le décor, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les poteaux, ils aiment pas ça. Donc ça je pense que c'est les bulles que je vais devoir ramener pour cette grande méduse noire. Donc là, en fait, il faut que j'esquive les messieurs.
ramène le plus possible de bulles. Allez, 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 allez. Tac. On ramasse des bulles. Il y a les bulles qui éclatent, mais je ramène plus possible de bulles. Allez, c'est bon, on est remonté. Donc, ça veut dire que c'est bon. Tiens, on va aller voir en hauteur. Ce qui se passe. Ah oui, on vole, donc on peut aller voir ce qu'on a ici. S'il n'y a peut-être pas un petit passage ou un truc à récupérer de caché. Non, il n'y a rien ici. Apparemment, j'ai l'impression qu'il y a un truc ici. Non, là, ici, il faut le missile. Souvenez-vous, on a fait une analyse. Elle, c'est une grosse carapace, donc on s'en fiche. On va aller par là, voir la suite. Là, on va essayer de passer. On peut passer, hein. En fait, c'est des tentacules qui nous... Pas qui nous poussent, mais qui nous empêchent de passer. Mais on peut passer par en dessous. Ouais, elles sont un peu grandes, donc on peut pas passer. J'ai juste un peu la bouger. Ou à l'attraper. Sois pas idiot, mon cher Bodu. Voilà, un nouvel artefact. 7 sur 9. Il en restera encore 2. Pour en savoir un peu plus. Mais on ne saura pas tout. Vu que je fais le jeu normalement. Et non à 100%. C'est juste un let's play. C'est pas, c'est pas comme certains où je vous ai fait un 100%. Parce que je les connaissais tellement par cœur. Que c'est normal que je vous fais face. Pardon, je vous fais face le 100%. Ok, les missiles, ça donne de la vie. Par contre, voilà, eux, il faut les toucher avant de les approcher. Sinon, voilà, bim bim. Voilà. Heureusement, j'ai récupéré un petit truc de vie. Et il y a lui. Oula, 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 oula. Non, je voulais refaire demi-tour. Vous voyez, là, on est dans le tuyau qui aspire. Hop, on aspire. Et ça nous propulse dans une nouvelle. Un nouvel endroit de la zone qui est ici. Et ça sent un boss. Ça sent le boss, et en fait, là, ce qu'il faut que je fasse, je crois que c'est que je fasse en sorte qu'il se fasse aspirer et pas moi. Ok, là, ouais, en fait, il faut que je m'accroche là-dessus, d'accord. Je me souvenais plus. Donc là, hop, on repasse dans le tuyau. Dans le tuyau, mais je me fais avoir par les missiles. Je crois qu'il faut que j'attire les missiles. Et mince, j'arrive jamais à m'accrocher. Donc, dès que je me fais avaler, je prends des dégâts. Attendre qu'il aspire. Dommage, j'ai voulu m'accrocher, mais il s'est pas accroché. Donc, vous inquiétez pas, on va y arriver. C'est un peu difficile à prendre en main au début. Voilà, là il s'est fait toucher. J'ai failli réussir, sauf que j'aurais dû me mettre plus en hauteur, heureusement. Il y a ce qu'il faut ici. Voilà, là on a touché, j'ai réussi à esquiver, sauf qu'il y en a d'autres qui arrivent. Là en plus ça rend de la vie. Ça rend de la vie, ça rend de la vie. Voilà, très bien, on va aller s'occuper des deux autres. Oula. Je me suis fait toucher, heureusement. Il y a des petits perles de vie. Voilà. Voilà, faut le toucher trois fois comme tous les boss. Hein.
Alors par contre là il était en train d'aspirer, est-ce que ça continue d'aspirer? Mais ça continue d'aspirer, donc il faut que je suive. Voilà, et là je crois qu'on gagne la fonction missile. Donc pour la fonction missile, hop, c'est un missile qu'on téléguide nous-mêmes, et voilà. Vous voyez maintenant, on peut ouvrir les fameuses petites portes. Et il y a des petits mini-jeux, voilà. Donc dès qu'on arrive dans ces trucs étroits là, le missile se met à ralentir un petit peu plus. Et là on va le guider. Faut aller jusqu'à ce truc là qui me permet d'ouvrir la suite. Et de regarder si tout est bon. Donc là ce qu'on va faire c'est que le missile on va le mettre à la place de la scie. Parce que maintenant on n'a plus besoin de la scie je crois. Je crois. Donc là on est dans suite de la zone. Ok, ça c'est les petits. Ah oui, ça c'est les petites méduses mollusques. Alors, faut les remettre dans l'eau parce que elles aiment pas l'air en fait. Pourquoi? Parce que elles sont. Voilà, elles explosent si au bout d'un moment elles ne sont pas au contact de l'eau. Et donc, voilà, ça permet donc de faire remonter l'eau. Et de boucher donc les passages d'eau. Voilà, donc là ça fait remonter l'eau. Et ça permet donc à ce truc de s'allumer, voilà. Et de m'ouvrir cette petite porte. On finira avec. Non. Non. Voilà, le missile il tombe un petit peu, donc voilà, c'est pour ça qu'il est. Il tape chaque fois contre le mur ici. C'est bon, ici donc il va falloir remettre de l'eau. Ici encore un missile. Non, un missile s'il vous plaît. Un missile. Doucement avec les missiles. Doucement. Vous voyez les missiles, ils tombent super bas. Ok, j'ai eu les deux. Je pensais en avoir un sur un. Ici vous voyez encore les petites méduses. Les petits. Les petites. Je sais pas comment appeler ça, mais. On appelle ça des méduses. Là, hop. Je coupe l'eau, mais ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'en remette l'eau là en haut. Ah oui, c'est ouais, le jeu, il faut qu'il soit sympa quand même. Faut qu'il vous dise de continuer à utiliser le reste. Donc là, on enlève ça. C'est pas grave, l'eau va rebaisser, mais. L'eau va rebaisser, mais la porte est déjà ouverte. L'interrupteur est allumé. Hop, je reprends la sauvegarde, même si quand on passe de loin, ça marche. Donc là, vous voyez, hein, ça remonte. Tranquillement, sûrement, gentiment. Donc là, ça va re-remplir avec de l'eau la suite, je pense. Ah d'accord, il y en a un qui a rebouché le machin, donc ça remonte pas assez. On va aller donc me dire à la petite méduse, tu t'es replacé là où il fallait pas. Ici toi. Hop, on va te mettre là. Donc là ça devrait être mieux. J'avais pas vu que c'est débouché. Oula oula oula. C'est des missiles à tête chercheur, un peu nul quand même comme missile. Donc là vous voyez, hein, l'eau passe enfin. Là, ça remplit. Sauf que c'est pas fini, il reste de l'autre côté. Donc là on va devoir ouvrir. En fait voilà, dès que ça arrive dans un truc comme ça, donc je peux taper plusieurs fois contre les murs avec ça, sauf que voilà, la couleur change. En fonction du nombre de touches que j'ai encore le droit de faire.
Là, orange, ça veut dire qu'il me reste encore deux touches. Là, on commence à être rouge. Ah non, il me reste encore plus. Eh bien, je pensais que c'était beaucoup plus que ça. Donc là, nous avons de l'eau. Là, je pense qu'il va falloir que je mette des petites méduses. Est-ce qu'il y a un petit checkpoint dans le coin? Peut-être. Peut-être pas. Bon, allez, on va le faire. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je le prenne, que je le balance. Attention qu'il n'explose pas. Il a explosé. Donc ce qu'on peut faire généralement, c'est prendre ça, le mettre vite fait dans l'eau avant de repartir, attendre qu'il se retransforme, vite bouger, hop, le remettre dans l'eau, le mettre ici. Voilà, là ça devrait être mieux. Là, il se fait aspirer. Et voilà. Donc là, bien sûr. Hop, la scie. Elle est où la scie? Non, ça, c'est pas la scie. C'est autre chose. Et là, on prend ça et on ouvre le petit clapet. S'il vous plaît, ouvrez-vous. Voilà. De l'eau. L'eau remonte. Ça passe dans le truc. Ça passe dans le tuyau et ça a ouvert la suite. Et donc voilà. Voilà pour cette troisième partie. Cette nouvelle partie, oui, on peut le dire. On va donc aller voir à la prochaine partie qu'est-ce qui se passe derrière ce tuyau-là. Qu'est-ce qu'il y aura? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Je vous montre quand même la carte. On va passer par là et on va peut-être arriver ici qui va nous permettre après de revenir ici. Donc on va peut-être faire un nouveau boss. Vous allez me dire, mais c'est rapide. Et je connais un peu le jeu. Je suis désolé, je connais un peu le jeu. La première fois qu'on le fait, on va trifouiller un peu partout. On va chercher un peu partout. On sait pas où il faut aller. C'est un petit peu embêtant. Mais bon, là, je sais où faut aller avec le jeu. Donc je m'excuse d'avance pour ceux qui voudraient que je trifouille, que je cherche. Mais bon, en même temps, c'est un let's play. Des fois, les let's play, ça peut permettre d'aider des personnes qui sont sur ce jeu. Hein, ça c'est un peu des soluces, quoi. Je suis un peu comme une soluce. Hein. Je dis pas que je suis une soluce, hein, parce que je fais pas le 100%, je fais juste le jeu normalement. Donc voilà, je me permets pas de faire de dire que c'est une soluce. Hein. C'est juste un let's play. Un let's play, ça veut dire vous voyez ce que vaut le jeu et vous aimez ou vous n'aimez pas. Hein, c'est votre choix. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette partie. Je vous donne donc rendez-vous à la prochaine partie qui, je pense, sera aussi sympathique que les autres. En toute manière, on n'a pas fini. Hein. Regardez, on a la deuxième zone, hein, zone de l'eau. Il nous reste la zone de terre. Je ne sais plus si c'est la terre. Oui, je crois que c'est la terre. La zone mécanique, la zone de glace et la zone profonde des profondeurs. Et après, il nous reste d'autres trucs à faire. Donc, de toute manière, il va nous rester quelques petite partie épisodique, donc on va pouvoir vous pourrez avoir plusieurs parties. Là, il y en a déjà trois pour l'instant, donc voilà. Donc je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi et je vous dis salut à tous.